Dans le cas d'application réforme Bernard là, qui te prévoit une filière enseignement technique et professionnel sur une période de 4 années, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle souhaitait expérimenter filière ça à partir de l'entrée scolaire 2023-2024 là. Côté élève à partir de classe NS1 pour arriver NS4, ça nous terrelé en vent, troisième secondaire ak philo, qui permet à Timounio sorti ak yon série métier technique ak professionnel le yo fini classe secondaire yo. Jounen 1er mai passé ya, nan cas d'inauguration premier lycée technique qui gen filière agricole dans commune Petit Trou de Nip, autorité qui travaille dans système éducatif là c'est profiter mettre dans terre quelques petits plants mango à l'autre fouille encore dans un espace qui derrière lycée pour élèves yo fait pratique dans cause ferme agro scolaire. Ministre éducation nationale là Nesmi Maniga fait connaître lycée technique agricole Petit Trou de Niplan gagne des vocations qui technique et puis agricole li montrer qui quantité métier et travail géniaux a bénéficier dans filière ça avec inauguration nous bail lycée ça en deuxième vocation c'est préparer baccalauréat technique et baccalauréat technique dans domaine agriculture. C'est pour ça qu'on a parlé tout dans le lycée technique agricole. C'est le tout premier projet pilote comme ça dans le pays d'Haïti. Et ça veut dire que bachelier, ça y est, fin fait étudiant, c'est déjà des professionnels qui travaillent dans le domaine agriculture, mais agriculture, horticulture, dans tout ça pour avec équipement, machine dans le domaine agricole, il y a entrepreneur agricole. Dans le contexte, côté nous avons formation déjà, délégué à partager la veine. Plus qu'une vingtaine d'entreprises dans le domaine agroalimentaire, agro-industrie, agribusiness qui pourraient démarrer pour accompagner toutes les entreprises qui sont dans le département Niplan, qui ont une vocation agricole, parce que non seulement il y a une pêche qui est assez développée, il y a une plaine Bakounoua qui est là, après d'Abraham, donc il y a une vocation agricole. Donc le jeune, ça va finir à 18 ans, 19 ans, 20 ans avec baccalauréat ça. C'est si vous voulez, vous pouvez continuer dans la faculté d'agronomie. Vous avez déjà un papier qui paraît, puis vous supportez l'entreprise. Vous pouvez travailler peut-être pas, vous pouvez travailler dans le côté que coopérative agricole, association qui est planteur, toute entreprise est capable de recruter. Ferme agro et scolaire qui a fait avec serre pour permettre aux élèves de produire non seulement pour manger dans la cantine de l'école, mais tout pour vendre les gens qui ont fait business agricole. Espace l'autre bon, il y a 18 salles. Espace ça, environ 1 hectare là, c'est côté en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale pour développer ça dans les fermes agro scolaires. Vous parlez de serre là. Ou par un côté élève météo pour aller venir faire expérimentation et au cas produit pour vendre tout ça va dépendre de qui l'autre terrain que la mairie que la communauté a mis à disposition lycéen pour que jodi un problème insécurité alimentaire pays a gagné nous ca résoudre le problème insécurité qui font pile jeune perdu l'espoir et puis malheureusement vulnérable c'est mouvement violence qui récupère yo et bien projet comme ça permet que nous kembe jeune yo non, Jean Odoyé avec formation Odoyé gagner et c'est sens lycée Petit Trou de Niplan qui en même temps tout car on lycée technique agricole c'est un tout premier et gouvernement très content dans ce projet ça aujourd'hui. Moïse Joseph c'est un élève qui dans classe NS3. C'est déjà un modèle élève qui commençait bien bonnet dans filière agricole là. Il est en créer propre business li qui c'est Eden pépinière. Côté le préparer diverses plantes dans ses sachets pour vendre parce que d'après ça l'expliquer il remet agronomie en pile rêve lui c'est ouais toute tête monio tout vête moi faire recherche d'abord sur plantio pour qui ça que bon et me chercher famille plante là un nom scientifique plante là alors me capable des détails sur plante là alors moi marqué pia parce que moi un frère agricole moi pas aimer que venir une fois pour demander qui prix ça juste marqué pia pour des carrés. Quand c'était plus petit là vous. Que t'es gagné longtemps, je ne veux dire qu'une page encore. C'est ça qui est vraiment, vraiment objectif moi. Pour me rebraser le pays. Parce que le rêve moi c'est que l'œuvre pas forcément l'argent pour me faire que fina gonome. Alors, le rêve moi c'est que fina gonome pour me travailler pour le pays, pour m'aider le pays à progresser vers l'avant. Planter pébois, planter à fuir pour capable finir avec la question de misère en Haïti.
Ministre Maniga fait qu'on modèle lycée technique et professionnel sa yo qui gagne plusieurs autres filières là-dedans yo à permettre élèves yo sorti ak métier ou bien continuer études université yo nan yon nan filière y a travail depuis souvent l'école yo. Pendant le coin, ti moun yo mérité bon gens encadrement depuis l'école pour empêcher yo al fè vie route qui ma connaît ak violence. N'ap rappelé nan kad programme lycée technique ministère a mette sous pied gagnen premier lycée technique et professionnel Joseph C. Bernard sou route frais qui nan filière technologie ak lycée technique agricole petit trou de Niplan filière agriculture. Gagnen divers lot lycée technique ak professionnel qui gagnen pour construire toujours dans divers régions dans pays d'Haïti.